Bonsoir à toutes les amis fidèles de la télévision Alien TV. Bienvenue dans la 4e sortie, journal 69 là, pour semaine ça. Rapidement, il y a un grand point qui a dominé l'actualité grâce à un concours de population en Kayaya. Pour ici, le commissariat commune a mis la patte sous des mounes et puis saisi un arme revolver l'homme 38 qui était dans la main. C'était l'occasion tout pour la police. Pas de bravo, la contentement pour bon genre collaboration entre la police et la population. Et puis, il m'a dit appliquer plus de vigilance dans l'initiative ça. Pour empêcher de gagner plus d'espace sur le territoire. L'association médicale haïtienne réclame justice pour des confrères, lundi à examen, qui entrent dans la clinique et puis kidnappé au jour qui était de mars 2021. Docteur Pierre Poussy, qui est urologue et gynécologue. Docteur Michel Adalexi, docteur Carole Cadet, fait appel à la solidarité population avec la justice haïtienne. Bonjour à notre tête collée à Kaskoto, Haïti. Organisé première édition sommet en Haïti en baptême. Construction historique noyau dans construction mondiale. Recteur université Kiskeya Jacques Lamarck, qui s'est une invité d'honneur, profiter occasion ça pour les faire une rétrospection sous bataille noyau t'a mené dans l'année qui passait. Plusieurs professeurs d'école qui dans programme escolaire gratis obligatoire sur go nouveau coupon parce que yo gain 5 l'année depuis on travail sans toucher d'après ça yo expliqué. Yo mande Père Marielle Henri faire un gens parce que yo gain ti moun même gens à tout monde pour ouvrir l'école tout et puis menacer camper l'école là si toutefois autorité yo pas dit un mot. C'est ensemble pour ça yo camper l'autre amis téléspectateurs qui pral développer et était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché sur mes téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après la prise là, mais dès le journal là. Grâce à un concours population à Kayaya pour lycée dans le commissariat commune, ça a mis la patte sous des mounes et puis saisi un arme revolver Magnum 38 qui était dans le meilleur à mercredi 9 mars 2021. C'est une occasion tout pour la police, bat bravo la contentement pour les gens collaboration entre la police et la population. Et puis, il m'a dit appliquer plus de vigilance dans l'initiative, ça, dans l'idée pour empêcher les gangs de prendre plus d'espace sur le territoire. Je vous annonce la grande titulaire, mes téléspectateurs. Association médicale haïtienne réclame justice pour des confrères yo bandi a gros armes té entré dans clinique yo et puis kidnappé yo jour qui était mars 2021. Docteur Pierre Bossi qui c'est urologue ak gynécologue, docteur Michel Dalexi nan point pour la presse yo jeudi 10 mars 2021. Un phénomène insécurité qui frappé tout le monde. Docteur Carole Cadet fait appel à la solidarité population ak justice haïtienne. Docteur Carole Cadet est dans le micro Fredine Pierre et puis Kevin Perville en suivant. Le docteur Pierre Bonsi, urologue, et le docteur Michel Dalexi, obstétricien, gynécologue, pendant que qu'ils travaillent dans la clinique, le mercredi 2 mars dernier, le mercredi décembre, appelé par une patiente avec des difficultés concernant les deux spécialités, ils ont tous les deux descendent au secours de la personne et c'est là dans la clinique yo, pendant que y a travail dans profession yo pour yo bay soin à un patient en difficulté un jour férié et c'est le propre des médecins à courir au secours et des gens en difficulté quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, yo aller à moins que ce soit totalement impossible ou t'avoir un docteur dit m'pa venir. Et c'est là, dans le pied de travail, j'en ai dit, dans le moment, que deux hommes armés levés et depuis, ni famille, ni amis, ni malades, a souffri ensemble avec nous. Ce coup nous a frappé en plein cœur ce jour-là. Et depuis, nous faisons que souffrir avec les parents, les amis, les collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Les malades aussi, qui n'ont pas de docteur, qui peuvent avoir des soins depuis leur. C'est un phénomène qui passe seulement. Nous avons souffert comme médecins, nous avons organisé, nous avons protesté, nous avons dit nous ne voulons pas, nous pas d'accord, et nous avons lancé cri, nous avons lancé appel vers un besoin de sécurité dans le pays que nous aimons, dans le pays que nous choisissons de vivre là-dedans.
vu gen moun c'est pour l'âge yo gen moun c'est remé yo remé pays yo gen moun c'est activité yo ki kembe nan pays ya gen moun yo juste choisi vivre la kayo envers et contre tous quel que soit le contexte yo di n'a prêté là solution li l'aide jodi a la belle demain donc nous même qui choisi vivre là aller nan travail kounyan c'est un acte de bravoure le moun sorti ou al mené petit toute l'école son acte de bravoure ou aller nan marché son acte de bravoure ou monte en camionnette son acte de bravoure ou prend bus pour aller au caï pour aller Jérémy son acte de bravoure qui que vous posez même la caï c'était un côté de pour entrer vous dit bon mandan et que de nouvelles qui a passé ces jours-ci yo dit même caï moun nan li pas en sécurité la donne si pour malheur ça qui relé et séquestration la caï li yo rivé la caï li donc nous réunis en association médicale et paramédicale, ça veut dire que pharmaciens, techniciens de laboratoire, réunis, radiologues, tout le monde réunis. Corps médical en général, nous avons AMH, qui est une grande association de tous les médecins, mais nous venons prendre toutes spécialités, que ce soit spécialité qui concerne les docteurs, cela veut dire obstétrique, gynécologie, urologie, mais pédiatrie rentrée, médecine interne rentrée, et radiologie rentrée la donne, et orthopédie rentrée la donne, chirurgie la donne, toute spécialité, si je peux citer, on a fait conférence un petit peu longue, et point de presse à trop long, nous font association qui est AMH, Association médicale spécialisée, pour nous changer des idées, pour nous venir une force de pensée et peut-être une force d'action. Puis organisation jeune pour Nations Unies d'Afrique en Haïti Bojuya en tête à coller à Kaskoutou Haïti organisé première édition sommet noir en Haïti en baptême contribution historique noyau dans construction monde là recteur universitaire Kiskeya Jacques Lamarck qui c'est une l'invité d'honneur profiter occasion ça pour lui faire une rétrospection sur bataille noyau tap mené dans l'année qui passait yo Frédéric Pierre Akakaoun Perville était présent pour Allen TV en Suisse. À l'occasion de la commémoration de ce qu'ils appellent le Black History Month 2022. J'ai choisi d'inscrire mes propos de ce matin dans la continuité de cette intervention parce que les enjeux et les perspectives sont les mêmes. Je propose de lire cette histoire commune à travers le prisme d'un nouveau paradoxe que je vais désigner par ce que j'appelle la condition haïtienne. La condition haïtienne comme une petite synthèse, mais avec quelle densité, de l'histoire de la lutte et de l'émancipation des Noirs dans le monde. La condition haïtienne fait évidemment partie de la condition humaine universelle, dans sa vulnérabilité, dans ses aléas, dans ses rapports avec la nature, dans l'appréhension de sa place dans le monde, dans sa fragilité, mais aussi dans ses potentialités, etc. Mais la condition haïtienne est une singularité de la condition humaine. Sa définition la situe dans l'angle, ou si l'on veut, dans l'étau de deux forces contradictoires, dont l'une est portée par l'élan d'un souffle à la naissance de la nouvelle nation, annonçant non pas un nouveau projet de société, mais un projet d'humanité, en rupture avec l'ordre mondial dominant l'Occident. Et l'autre force, marqué par la dégradation continue de notre situation, de ce qu'on pourrait appeler notre descente aux enfers, vers un sous-développement chronique. Allons regarder de plus près ces deux forces en action. Haïti, comme vous le savez, est née à contre-courant de l'ordre mondial. Un ordre mondial dominé par le colonialisme et fondé sur l'esclavage, et qui explique en grande partie l'accumulation des richesses et en fait la gloire de l'Occident. Il y a deux siècles, rappelez-vous, quand Haïti proclamait son indépendance après avoir vaincu trois armées européennes, espagnoles, britanniques et françaises, cette émancipation était un motif de fierté. L'argument le plus fort contre le racisme et l'exemple à suivre pour les peuples opprimés. Dans l'histoire du monde, Haïti est devenu le symbole de la résistance face au système colonial. Après 300 ans de servitude,
une masse d'esclaves avait en effet décidé de concevoir son existence dans un autre rapport à la vie. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Combattant contre les Anglais, les Espagnols, ils ont vaincu la plus grande armée d'Europe, celle de Napoléon, et fondé la première nation d'esclaves dans toute l'histoire de l'humanité. C'était le signal de la fin de l'esclavage en tant que modèle dominant de création de richesses dans le monde moderne occidental. Commencement mois mars, en ces périodes majorité femmes sorties pour mettre ensemble, pour pousser voyou plus loin, pour faire tant de cris plus à cause 8 mars qui symbolisait Journée mondiale des femmes. Dans le cas aussi là, Staff Island TV a jugé l'important pour faire vivre comment ça y est pour une catégorie de femmes jeunes haïtiennes qui c'est Mesdames Factory Active Marchand qui c'est une classe qui pas fait tant de voyous faciles mais qui plus croit dans le courage gagné pour lutter avec la vie. En suivant comment ça a été avec Nelika Alexis et puis Friend Speaker pour Island TV. Yongo, bonsoir pour toutes fidèles branchés Island TV. Aujourd'hui, à nous devant Sonapi sur l'aéroport là. Côté que dans l'idée pour nous toujours informer de ce qui a passé dans la société, nous venons faire un petit parler avec mesdames parce que nous connaissons moi, mars, c'est moi, femme. Étant donné avant 8 mars, là, c'était fête de femme. Nous venons faire un petit parler avec vous pour nous connaître comment vous êtes, comment vous sentez dans la société. Est-ce que vous sentez que vous respectez vraiment et qui ça vous a aimé pour ça changer? Toutefois, doit y pas respecter. Alors, nous tout de suite, nous allons suivre comment ça y est. Mais comment nous sentons nous même en tant que femmes dans le pays? Comment nous sentons nous? Garçon, pas un travail, pas un côté, pas un travail pour eux. C'est nous même qui femmes, nous maman, nous papa. C'est vraiment, vraiment courage nous mesdames. Mais comment nous sentons nous même? Ah, nous n'y est. Nous pas vivre, nous pas marcher. Nous pas en sécurité. Comment ça pas en sécurité? Comment nous on mode traitement? Ah, même. Nous t'arrêtons pour payer à changer. Nous t'arrêtons pour nous garder un président. Pour pas qu'il vienne descendre pour nous garder l'école, pour nous garder l'école, pour nous manger à l'aise. Et si nous t'arrêtons pour nous dire l'autre femme pareil, qui ça t'a fait? Ça nous t'arrêtons pour nous dire. Mais ça pour nous dire, courage pour nous continuer à lutter, pas grand exercice encore. Nous pas un monde qui a boumé pour nous. Et nous qui a boumé pour tête. Nous défendons tête. Nous, nos pays. Jojo, yo te di Jojo pas de bon, eh ben nous pis mal. Et vous même chérie, pas de la petite mesdames. Ah oui, la petite mesdames, courage. Parce que pour nous lutter, pour nous arriver, ça me donne. Bah oui, mes jeunes à vivre là. Pour qui sont pas mes jeunes à vivre? Ah, pays a dit. Ah, un changement, même pas un changement. La vie est chère. Dis chère, non, quoi, non, va. N'a pas combattre avec la vie parce que nous avons bon Dieu qui a guidé nous. Et bon Dieu, femme, dans Haïti. Moi, je me dis merci comme ça. Femme, c'est la vie paysanne, c'est la vie paysanne. Moi, tout garçon, je n'ai pas d'eau, je ne fais pas de misère. Je suis arrivé à côté pour bien vivre. Je prends bon sang, je suis sous fatra, je suis sous de l'eau sale. Je marche bien dans l'arrière pour ma vie bien. Ma vie dans la misère, ma vie dans grand goût. Là, j'ai 30 dollars, je vais manger un bol de riz, non? Ça dit que c'est bien cher. Quand nous avons 1000 gouttes, 9 avons 250 dollars. Ça dit que c'est 600 dollars. Il y a 10 pour nous. Moi-même, je ne peux pas parler parce que le problème est pire. Le problème dans le monde, je ne peux pas parler. Mais moi, j'ai des mamies qui disent à 75 dollars. Même si je ne peux pas acheter, je ne peux pas gagner l'argent pour acheter manger. Parce que le bagage vie est trop cher. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas gagner courage. C'est en moi! Pas pour aller. Pas de droit, pas de droit parce qu'on ne respecte pas nous. Ils regardent nous coucher, nous fatra. Ils pas de respect pour nous, pas aucun droit. Parce que pas femme, pas de droit. Pas de droit pour aucune femme. Parce que si tu as un droit pour aucune femme, tu as créé un bagage pour nous mettre de côté, pour nous
vendre si manger. Ils ont descendu bagaille, tout bagaille cher. Ils ont fait la vie chère, pas grand respect. Pas grand droit femme. Mais nos pays sont à vivre là. Normal, on a fait penser, ouais, mais nos pays sont à vivre. Nos pays sont à vivre là. Ou qu'à sorte, parce que quand qui pays sont à vivre. On fait effort et pour avoir été loin. Mais gars, sont pas fonds pour vous, Kounia, non? Gars, sont pas fonds pour vous. Kounia, femme travaille plus que garçon. Oui, pas de travail pour garçon. Femme travaille plus que garçon. Kounia, on va mettre espoir sous garçon. Et qui ça vous dit, toute femme? Parce que sont nos misères, nous, toute femme est misère. Parce que Kounia va gagner sérieux. Et c'est le bon Dieu qui a dit, nous, on va dire Kounia, non? Ou c'est le monde qui a dit, on va gagner sérieux. On va gagner sérieux. Comment elle a dit, mais pas la paix à vous là. Bon Dieu, quand on est la fin de la vie, on ne peut pas dire. Moi-même, chaque minute, je suis passé avec un petit chaudier. Je suis venu là, je suis venu là, tout n'a pas. Chaque minute, je suis venu là, tout n'a pas. Je commence à décourager, je suis venu là, 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 on souffre en sécurité dans le pays. Parce que l'homme qui ne peut pas marcher, ne peut pas faire dans la rue, il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas bon pour nous, mes amis. Eh bien, amis téléspectateurs, vous êtes suivis avec nous. Comment ça te y est devant son appui à l'aéroport, à côté de mesdames, vous avez expliqué avec un pile tristesse comment ça y est pour vous, comment la vie a dit pour vous. Et tant que vous êtes capable de suivre, c'est avec un pile tristesse, image ça y est, nous-mêmes nous te présentons. C'était Nelika Alexis avec Franz Picker qui t'a présenté comment ça y est dans le pays d'Haïti pour femme haïtienne, femme nom, femme courage nous qui pas jamais suspendre l'été à la vie. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons au moment pour observer deuxième pause nous qui était branché par déplacé. Merci d'avoir toujours été branché chez mes téléspectateurs, mes restes informations. Secrétaire d'État pour l'alphabétisation, un organe qui soutient le ministère de l'Éducation nationale, organisé des journées ateliers, soit mardi 8 pour bout mercredi 9 mars 2022, sous endossement politique éducation non formelle. C'était moment pour représentant idée jeune, académique haïtien, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, à quelques participants expliqués. Importance éducation non formelle la gagne pour un pays tant que pays d'Haïti pendant la première tournée qui m'en travaille avec le ministère qui concerne ya pour un plus bon mise en place pour application bézissa pour tout le monde qui gagne l'âge pour apprendre dans l'école classique yo déplacé. René Harrison et puis Franz Picker te présent pour LN TV dans deuxième journée de ça en suivre. Le secrétaire d'État pour l'alphabétisation, un organe du ministère de l'Éducation nationale, a lancé des journées d'activités, des journées de colloques sur la question de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, ça lié, c'est une idée, c'est un objectif pour arriver à rapatrier les gens qui n'ont pas de fréquenter l'école à temps. Et là, je vais avancer, ça veut dire que je dépasse la classe fondamentale. Dans ce sens, je mets le programme sous pied pour. Former tout le monde pour éduquer et puis des formations à courte durée pour arriver à combattre la vie, pour arriver à un minimum de connaître la vie et puis pour affronter ce qui est pour eux et information ou bien formation ou de connaître dans la question éducation et formation. Dans ce sens, nous sommes sur place dans un hôtel dans Pétionville, côté colloque ça a déroulé pour porter pour intervention secrétaire d'État alphabétisation et plusieurs personnes qui étaient soumettre idéaux dans le cadre de table ronde ça tout qui était organisé dans le même moment dans le cadre toujours dans le même cadre colloque ça mais plutôt suivre nous sorti dans le groupe nous travaille dans le groupe 5 là parce que table 5 pour ça nous était tous 5 vous pouvez regarder moi même Joseph Yves Gabo il y a là dans Martin qui est François
Jean-Grégory Calix, Iléus Papillon, Ricardson Daniel, Akianison, Pierre-André. Mais ça nous pensait pour papier ça va débattre nous, pour nous réfléchir sur l'IA. Nous ici là, pour nous endosser politique éducation non formelle, l'État haïtien. Un, alors, numéro 1 qui correspond à l'espace que vous mettez ça là. Parce que le premier espace, vous parlez de Timoun, 4 à 6 ans. Nous pensons que sous l'âge 4 à 6 ans, c'est l'éducation nationale, préscolaire qui peut occuper de ça. En tant que ministère de l'Éducation nationale, il y a une direction qui est la direction préscolaire. Deux, Timoun, 6 à 11 ans, qui est déjà scolarisé, nous pensons que c'est déjà un bien. Trois, si mon 6-11 ans qu'on a là qui a dit qui déscolarisé ou bien qui pas scolarisé, nous on va aller en l'autre dire nous-mêmes. Sous trois, nous dit l'important pour l'État haïtien à travers BSEA avec le ministère de l'Éducation nationale, tu as défini l'âge enseignement non formel là. Je ça fait dans l'autre pays, tant que Maroc, Sénégal, Cameroun, Niger, etc. Pour table 2, ça nous-mêmes nous t'ai dit, nous t'es plus pas. Et pour la première proposition, c'est là nous avons plus discuté. C'est sous modularisation. D'abord, nous disons qu'il faut que nous soyons capables de travailler pour nous gagner un programme cadre pour compétences de base. Ensuite, classer objectifs par niveau et module. Identifier tranche d'âge pour nous capables d'élaborer modules parce que tranche d'âge 15, 20 ans, 20, 30 ans et 40 et plus, pas même. Il n'y a pas même intérêt. Et là-dedans, dans le module, nous avons même pour insérer, mettre les compétences de vie. Donc, puisque les compétences de vie sont transversales dans tout le module. Yeah. Tenir compte des expériences acquises des adultes, surtout pour l'alphabétisation. Donc, expérience que adultes et grands ont gagné, il faut que nous servions avec eux tout pour nous permettre de faciliter et apprendre. En fait, table 7, là, nous travaillons sur la première partie. Hein, et puis, dans souci pour nous déjeuner une stratégie qui. Chita sur compétences de base, compétences professionnelles, la compétence de vie. Nous avons réuni 4 points essentiels. 4 points qui sont élaborer, planifier, mettre en œuvre et accompagner. Dans l'élaboration, nous avons nécessité pour élaborer des programmes suivant tranche d'âge, suivant besoin, suivant filière. Abgenon yo manuel d'activité pour ti moun, grand moun ak jeune. Kap touche chita sou compétences de base. Nou wè tout tap gen manuel et mathématiques qui gen zouti mathématiques yo, zouti pour calcul ak lot et la tri. Nou wè compétences de vie et di kap gen la donne, nou te mette accent sou civisme parce que nou wè presque yo ignorer aspect ça non éducation. Non formel là, moi le fondamental pour mettre accent sur le civisme. C'est-à-dire pour nous tout profiter, faire passer éléments de civisme à travers manuel. Nous, dans quatre compétences professionnelles, nous, il faut que élaborer des manuels scientifiques et puis établir des formations professionnelles. Ça a été pour élaboration. Nous passons dans le deuxième temps qui s'est planifié. Nous, il faut que planifier modules en fonction de un délai précis. Par exemple, il y a un module qui est sous 3 mois. Et dit qu'on a une échéance pour chaque module. Nous sommes 6 là, nous avons pris une deuxième proposition. Côté, il y a demandé pour nous voir qui ça nous a fait pour améliorer le tableau de bain. Il y a parlé de plusieurs tranches d'âge. La première tranche d'âge là, c'est préscolaire. La préscolaire là, nous avons vu. L'État, parce que nous, c'est l'État qui peut prendre la charge, il y a un programme préscolaire déjà, mais nous devons assurer que des centres, cela nous avons discuté, est-ce que c'est des centres, parce que nous avons des préscolaires. Mais préscolaire là, c'est plus privé qui prend. Alors que plus fort du monde, dans l'État, il n'y a pas foutu entrer dans le préscolaire pour gagner un développement intégral, augmenter, équilibrer pour tout le monde gagner.
Nous avons dans la préscolaire, il faut initier la formation des parents. Parce que j'ai fait une expérience dans le monde, côté les parents sont formés, ils connaissent tout ça, qui ont fait dans ce plan et qui ça pour le bali, et même leur arriver la caille. Parce que quand des parents, ils ont fait l'école là, et puis ils ont fait tout ça, ils ont perdu tout ça, l'école là, parce que les gens ont l'autre bagaille, les parents ne connaissent pas. Il faut nous réguler le système préscolaire parce que là, il y a des choses dans le préscolaire, dans l'autre, là, il y a des choses dans l'autre. Si on entre à l'école, il y a des côtés, c'est lié à prendre les lits. Alors que, il y a toutes les compétences pour le gagner, pour le développer tout ça. Nous sommes au niveau 6-11 ans. Vous avez une question de poser. Pour qui ça, Timon a quitté l'école, pour qui ça a abandonné? Mais il a abandonné. Pour qui ça a abandonné? Parce que la classe là, il n'y a pas joué de professeur qui a attrait. Il a manqué éthique professionnelle. Il y a des professeurs qui quittent la classe là, qui allaient, c'est comme si on sous-traitait, ils allaient leur job, et puis ils ont quitté Timon a l'emmen l'autre monde. Mais ça, comme la classe là n'a aucun attrait, donc ils ont viré de yo, ils ont quitté la classe là, ils allaient dans la rue. Donc qui ça pour notre affaire? Il faut que l'État t'a occupé plus. Nous t'ai dit qu'il faut nous retourner avec l'inspectorat. Il faut qu'un inspecteur qui a dans l'école là, qui a gardé qui ça qui a fait l'école là, et puis pour dire qui ça qui a fait. Quand on t'a formé inspecteur, quand on t'a formé maître, quand on t'a équipé l'école, parce que l'autre monde entré dans l'école qui n'est pas attrayant, eh bien, il n'a pas gagné, il n'a pas envie d'apprendre. Moi-même, moi c'est Gerda Privilon, moi c'est directrice exécutive et une organisation que nous relais Initiative pour le développement des jeunes qui c'est IDGEN. Moi-même, moi fais partie d'un comité interinstitutionnel pour la mise en œuvre de la politique d'éducation non formée en Haïti sur décision ministérielle de Jésus, l'ex-ministre Jésus Agénor. Et moi présenter société civile. En deux comités, c'est dans ce sens que j'ai participé dans deux journées d'atelier que la société à la fabrication organisée. Éducation non formelle, ça veut dire que c'est une éducation, un système de formation qui est différent du système formel que nous avons. C'est une formation qui est adaptée à besoin de nous, à niveau apprenant que nous apprenons là-dedans pour nous répondre. Pour nous faire vraiment insérer dans la communauté. Pour qu'il y ait des compétences qui permettent de débrouiller et améliorer les conditions de vie. C'est ça que nous relais l'éducation non formelle. Et en dedans, nous avons des compétences que nous avons les jeunes et les adultes. C'est des compétences de base, nous apprenons à lire, écrire, apprendre mathématiques, ainsi de suite. Et nous avons des compétences de vie qui sont importantes pile, parce qu'on a parlé d'insertion de petits, de jeunes, de grands dans la société. Compétences de vie sous affaires. Et comment se comporter, savoir vivre, savoir faire, environnement, santé, leadership, etc. Très important que nous mettons dans tout l'éducation formelle là. C'est vice-président de l'Académie créole. Comme nous avons des liens avec SEA, et moi-même, je suis ancien, je suis consultant éternel dans SEA depuis longtemps, depuis 11 ans peut-être. Et donc, nous sommes très intéressés à suivre le dossier qu'a traité ici là. Parce que c'est des dossiers. D'Acadie informel, non formel, c'est-à-dire éducation non formelle. Et nous connaissons que il est très important que vous êtes capable de chercher des filières pour faciliter la formation, non seulement en alphabétisation, mais formation professionnelle, mais pour tous différents niveaux de gain, et puis formation. D'Acadie à la vie. Ouais, toute obligation d'Acadie. Des démarches que vous avez faites pour être capable de construire vie, soit au point de vue culturel, soit au point de vue d'Acadie économique, social, entrepreneuriat, etc. Nous organisons un atelier et ça, c'est dans le cadre de nous baptiser l'atelier d'endossement éducation non formelle. C'est dans le cadre pour nous. Nouvelle vision que nous bureau secrétaire d'État a dégagé pour permettre nous faire pour nous dégager une autre activité une autre vision par rapport avec éducation et alphabétisation nous organiser ça c'est dans cadre mise au point qui permettre nous
fixer nous de façon claire et officielle par rapport avec le bureau secrétaire d'État qui est toujours de petit et comment on dit ça. Peut-être pas vraiment clair sur l'idée d'éducation non formelle là. Nous-mêmes, dans le cadre nouvelle vision nous qui nous dit n'a endossé à l'éducation non formelle là, c'est dans le cadre ça nous organiser atelier pour nous permettre nous dire de façon claire mais qui vision nous mais qui ça nous gagner pour nous faire dans le cadre redynamisation bureau là. Depuis le BSE a existé, l'op fait alphabétisation de base, notamment alphabétisation de base. Mais par rapport à la vision que nous gagnons, nous jugeons que l'alphabétisation de base n'a pas suffi. Nous voulons accompagner avec l'autre compétence, qui est compétence de base là, que le bureau secrétaire d'État est déjà là, donc déjà. Nous avons accompagné avec compétence professionnelle, qui est apprendre un métier qui a permis de cap utile tête demain. En même temps tout nous accompagner tout avec compétences de vie à qui c'est apprendre moun yo intéressé à environnement yo comportement yo par rapport à risque et désastre par exemple comportement yo qui ça yo doit comprendre dans ça qui vient ouais à do moun nous cap bien civisme tout n'a inclus tout ça yo qui était nous considérer comme des compétences de vie qui a permettre de mieux vivre mieux dans la société là. Déjà un colloque sur l'éducation non formelle là bout matin mercredi 9 mars 2022. C'était une occasion pour plusieurs ateliers qui étaient faits dans la journée remettre cahier de charges à secrétaire d'État alphabétisation pour lui-même en retour pour remettre à la ministre éducation nationale là pour prendre une décision pour accompagner Timounio qui gagne en pile l'âge, qui pas de temps rentrer dans l'école fondamentale, capable jeune moyen pour rapatrier système éducation, pour intégrer système éducation. Pour te porter des jeunes collègues pour matin mercredi 9 mars 2022, c'était serviteur René Aristène avec collaborateur French Speaker pour LNT. C'est mon troisième pause là, il était branché, pas déplacé. Merci là ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, mes reste informations. Organisation Femme Fière réclame égalité. Mesdames, yo nan conférence débat avec plusieurs étudiants qui sorti dans plusieurs universités à mercredi 9 mars 2022. Dans l'occasion Journée internationale droit femme yo, coordonnateur Jennifer Morgiana Antoine tenant micro Frandine Pierre à Kakerwin Perville pour plus de détails. Nous ba tête nous pour mission pour nous valoriser, pour nous aider jeunes filles à valoriser tête yo. C'est ça que fait Yon nan et slogan nous c'est jeune fille tu peux. Jeune fille tu peux parce que société a toujours dit fille pas ka faire ça, fille pas ka faire ci, fille pas ka faire ça. Alors que nous-mêmes nous trouvons que c'est pas vrai. Donc nous là n'a marché dit mesdames yo que yo capable. C'est ça que fait nous gagnons activité de mentorat que nous commencer dans l'école yo. Côté que n'a marché faire coaching avec des jeunes filles pour nous dire que sa société a dit et menti. Nous capables depuis que nous avons volonté, depuis que nous voulons faire, nous capables. En fait, l'activité aujourd'hui, je nous dis, li a traité de thématique insécurité et la femme. Donc, insécurité et ses impacts particuliers sur les femmes, entre séquelles, traumatismes et souvenirs inavouables. C'est ça le thème. Et nous constatons que dans la société, certes, et insécurité li flagrant, nous tous vivons de l'insécurité. Mais il y a une insécurité qui est tout à fait particulière que mesdames vivent. Ils vivent de façon constante. Parce que
Ou imaginez que n'importe côté où il est, ou a subi de l'insécurité. N'importe côté que où il est, même si comme si ou gen doit ouais, gen un côté garçon et il gen doit dire li safe, mais ou même ou a veille harcèlement, ou a veille pour pas mettre mes sous, ou a veille comment pour comporter ou pour un monde pas arriver sous. Parce que par la suite, société a pral dou, qui rate quitter sous, les afin rivo pour yo culpabiliser, yo pral dou qui rate quitter sous, comment te garder tel monde, qui jonteye, soit elle fait tel côté. Donc c'est une série de questions qui pas ta supposé à poser à une victime, parce que mon victime déjà, les victimes c'est tout court, ça t'a dû être là ou bien pour la justice pour nous faire une série de démarches pour faire et moun ki coupable la payer, mais non, y a culpabilisé victime non, y a mandé qui ça l'était fait, comment elle t'a fait si, comment elle t'a fait ça, est-ce qu'elle t'a fait gémissement avant y aurait si reconnaître que les victimes. Donc c'est ça en gros que nous apoué dans quatre journée mondiale et droit femme non. Donc hier nous t'es supposé là, malheureusement l'école là t'est fermée sous même question insécurité ça. Côté que nous avons un professeur qui dans science, professeur dans faculté des sciences qui yo fait assassiné. Donc rectorat a été choisi prend deux jours ça qui c'est 7 à 8 mars pour lui te fermer l'école là pour nous te et faire une sorte de grève pour nous dénoncer ça qui passé là. L'autre information c'est mes téléspectateurs environ 4 monde perdu la vie yo à plusieurs l'autre blessé dans un accident de circulation qui fait sur route canapé vert à mercredi 9 mars 2022 d'après bilan provisoire protection civile là. Ministre de santé publique la docteur Alex Alassane pour poursuivre constance li fait connait installation qui fait yo viser renforcer institution ça responsable MSPP a fait remarquer mission nouveau responsable yo pas facile si tout dans contexte y a vivre là pendant li souhaiter nouveau dirigeant yo pral faire tout ça dépend de yo pour travail la bien fait au niveau département sud là en suivant pour poursuivre constance docteur dans micro correspondant nous dans Sud Richmond Joseph pour LN TV. Ce matin, la montagne de procéder à une triple installation celle du directeur exécutif, de la directrice médicale et de l'administrateur de l'hôpital Immaculée Conception et 4. Il s'agit bien d'un changement important opéré dans l'équipe dirigeante, chère de cette institution, à toute la population du département. L'idée de renforcement de la gouvernance de cet hôpital vient du souci constant de mon administration d'offrir en permanence à la population haïtienne des soins de santé de qualité et abordables. C'est bien à cette mission que vous êtes associés, cher directeur, à partir de là. C'est une mission noble et délicate qui vous est dévolue dans un contexte très difficile. Je suis confiant que vous saurez vous élever à la hauteur des enjeux et des défis auxquels vous aurez à faire face. Nous devons tous et toutes œuvrer pour un plateau technique performant qui permette la prise en charge des urgences de niveau 1, 2, 3 dans le département sanitaire. C'est un enjeu de taille pour nous, prestataires, dirigeants et usagers des services de santé. Car nul ne sait le jour ou l'heure fatidique où il devra solliciter un service d'urgence. Parlant de service, il nous vient tout de suite à l'esprit. Salle propre. Salle propre et conforme. Horaire de service. Roulement du personnel entrant de santé. L'adéquation entre ces quatre éléments n'est pas aussi facile à réaliser de nos jours. Nous sommes spécialistes
nous avons docteur dans le pays. Nous avons infirmière. Mais nous avons un problème, nous avons tout à notre billet. Nous avons fait notre travail et nous continuons à toucher l'argent du pays. Je suis à Miami à 30 billets et à prendre l'argent du pays. C'est malhonnête. C'est pour ça que je demande à l'employé du ministère de la Santé publique un peu de patience. Demandez-vous patience parce que chaque mois en retard, c'est parce qu'on a fait le contrôle pour nous saisir chaque tout le monde qui va. Parce que nous avons un docteur pour ce travail, nous avons un infirmière pour ce travail, nous avons un cuisinier pour ce travail, nous ne sommes pas capables. Nouveau directeur exécutif HICA, Dr. Herbie Lafrance, en promet pour le travail avec un pile rigueur pour le lever des défis Captain Niyo. Dr. Lafrance dit accepter pour ceci là, dans l'idée pour le capable de porter contribution par la population. En suivant les détails, toujours dans le micro, correspondant à Sid Richmond, Joseph Wailen TV. Je suis parfaitement conscient de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités et convaincu que c'est ensemble que nous allons permettre au centre hospitalier universitaire du département du Sud de surmonter avec succès les grands défis du moment. Je m'engage plus que jamais à travailler avec rigueur et discipline pour fournir des résultats tangibles. J'accepte cette tâche afin de pouvoir rendre à la communauté ce qu'elle m'a gracieusement donné en vue d'apporter ma participation à l'édification de ce centre si cher à toute communauté des Cayes et de ses environs. Quand je prends ce poste, je prends l'engagement ferme et résolu d'apporter ma contribution. Les valeurs morales sûres seront mes guides à la tête de cette prestigieuse institution. À l'équipe qui a assuré la gestion par intérim de l'hôpital depuis le mois de novembre dernier, permettez-moi de les remercier tous pour les efforts consentis à la tête de l'institution. Monsieur le directeur départemental, Dr Jean-Bernard Février et son équipe, et je m'engage dans la conduite à faire mieux pour le bien-être de tous les patients et utilisateurs de nos services. Votre présence, Monsieur le ministre, Dr Alex Larsène, pour procéder à la cérémonie de ma installation, donne un sens encore plus fort, encore plus lourd à mes nouvelles fonctions. Monsieur le ministre, vous œuvrez depuis plusieurs années pour améliorer la qualité de la santé en Haïti. Votre présence ici n'est pas lié au hasard. Et je la reçois comme un héritage, mais aussi comme un engagement à continuer l'œuvre de santé pour tous, engagée par vous et par celles et ceux qui m'ont précédé ici. Pour finir, amis téléspectateurs, plusieurs professeurs de l'école qui dans le programme scolaire gratis obligatoire sur le nouveau coucou a passé au 5 l'année depuis qu'ils travaillent sans toucher, d'après ça, ils ont expliqué. Ils ont demandé à Marielle Henry de faire un jean parce qu'ils ont un monde, même avec tout le monde, pour voir l'école tout. Ils n'ont pas caché la possibilité qu'ils gagnent pour camper l'école là, si toutefois, l'autorité n'a pas dit un mot. En sujet extrait dans la déclaration, dans le micro, correspondant à nous dans le Nord, Ewod Kodada pour Island TV. Thank you.
ministère de l'Éducation nationale, li douen environ 5 ans depuis que le Bajam ban un bout national. Ou ka comprendre le que yon l'école te nan programme et que l'État choisi pas payer sans aucune explication qui dans qui dilemme que directeur trouvé. Donc matin nous tournons encore pour une énième fois pour que nous relayer au secours à face à l'État central pour qu'il cap pour nous réclamer 5 années que l'État pas jamais payé nous en bout national. Pendant que nous gagnons en tant que responsable d'école, nous gagnons local pour nous payer, professeur pour nous payer, tout ça. Donc, gagnons l'école qui crasé à cause que l'État pas payé, nous allocation qui revient nous de droit. Donc, ça veut dire que nous obligés prendre la presse pour nous dénoncer comportement irresponsable ça que l'État le pays nous a manifesté en faveur de l'école. De ce faire, nous, AEPN, ensemble avec toute l'autre organisation qui travaille comme dans tout le pays, nous avons un Codépart dans la Tibonite, nous avons un Serré dans l'Ouest, nous avons un AEPREC dans Léogane, nous avons un Codépart dans tout le pays, ok? Dans tout le pays, nous regroupons force ensemble pour que nous disions l'État, c'est assez, nous bouquons le travail pour grand merci. Nous bouquons choix la pour qu'il travaille trop pour faire la gamme. Nous réclamons ça qui revient de droit. C'est payer nous 5 ans que l'État doit nous dans le programme Sougoua pour que nous, au moins, l'école nous ava sorti dans la misère que nous y là. Donc, nous, en tant que responsables, nous boumons sous toute forme. Divers que nous dans le département, lors dans l'Ouest, dans la Tibonite, dans l'Éogane, dans l'Antigouave, nous avons gonflé force nous pour que nous fassions l'État respecter nous. Et nous avons adressé nous spécialement à la ministre Nesmi Maniga, qui sont les gens qui sont dans le système déjà, mais qui retournent, qui ne pouvaient pas en rien en réalité. Jusqu'à maintenant, nous avons gommé pour que la ministre Maniga paye régulièrement 5 ans de salaire qu'elle doit l'école, alors qu'on l'a disponible. Comme la disponible sous fond, yo, yo toujours prend comme taxe dans le transfert. Yo. Chaque appel téléphone nous fait, nous payons une goutte pour vous. Donc, yo pas jamais payé nous en rien, absolument rien. Donc, son l'État irresponsable, son l'État sans sentiment, on l'État inhumain qui agit, on l'État bluffeur, nous dit que faut que l'État ça apprenne à respecter l'engagement qu'elle déploie avec nous. Voilà, amis téléspectateurs, nous revenons dans le moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui. Mais avant nous aller, quittez-nous rappelons tout grand point. Grâce à un concours population en Kayeya, policiers dans le commissariat commune ça a mis la patte sous des mounes et puis saisi un arme revolver dans l'homme 38 qui était dans la main. C'était l'occasion tout pour la police, pas bravo la contentement pour bon genre de collaboration entre la police et la population. Et puis, m'a dit appliquer plus de vigilance dans l'initiative ça pour empêcher gagner prendre plus d'espace sur le territoire. L'association médicale haïtienne réclame justice pour des confrères, bandits à examen, et puis kidnappé au jour qui était de mars 2021. Docteur Pierre Poussy, qui est urologue et gynécologue. Docteur Michel Adalexis, docteur Carole Cadet, fait appel à solidarité population et justice haïtienne. Bonjour à notre tête collée à Koskoto, Haïti. Organisé premier édition sommet noir en Haïti en baptême. Construction historique noyau dans construction monde. Recteur Université Kiskeya Jacques Lamarck, qui est une invité d'honneur, profite occasion ça pour les faire une rétrospection sous bataille noyau tap mené dans l'année qui passait. Les professeurs d'école qui dans programme scolaire gratis obligatoire sous go nouveau coupon parce que yo gen 5 l'année depuis yo travail sans toucher d'après ça yo explique.
Je m'en ai payé Marielle Henry, faire un jean, parce que y a un petit monde, même jean, à tout le monde, pour ouvrir l'école tout, et puis menacer quand l'école là, c'est toutefois autorité ou pas dit. Ça, c'est un point ça, avec diverses lots qui t'est développé, qui t'est branché, télévision YLN TV, pour cette programmation. Bye bye tout le monde.